on se retrouve pour une vidéo de fou furieux les gars. Je vais littéralement écouter la musique du Dengue Dengue à l'heure de 3h du matin. Et en faisant ça les gars, apparemment ça pourrait le faire apparaître à l'intérieur de ma maison. C'est comme si qu'il pouvait prendre vie et venir jusque chez moi. Oh c'est une dinguerie les gars, regardez. Je vais vraiment vraiment écouter la musique du Dengue Dengue à l'heure de 3h du matin sur ma télé. Et ouais, de toute façon je pense que vous connaissez très très bien la musique du Dengue Dengue. Ça a juste explosé de partout et de partout. Ça a littéralement envahi tous les réseaux sociaux ces quelques derniers jours. Et ça fait dengue, 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 dengue. Bon allez, on arrête de rigoler là maintenant. On va vraiment vraiment écouter la musique du Dengue Dengue à l'heure de 3h du matin. Mais les gars, tout de suite mettez un gros 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 pouce bleu sur la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas encore déjà fait. Là c'est chaud, je prends la télécommande. Ok, let's go, je suis prêt. Mais par contre il faut savoir que la musique du Dengue Dengue elle est copyright. Donc ça veut dire que je vais mettre en accéléré, vous allez voir ça va être drôle. Allez let's go, c'est parti. J'ai entendu du bruit. Je crois que j'ai entendu du bruit dans la maison. Attendez, je fais une pause, je fais une pause. Oh, je crois que j'ai halluciné. Les gars, oh c'est chaud, c'est chaud. Bon vas-y, on continue, ça m'éclate. Là je crois que là j'ai vraiment entendu du bruit. Là j'ai vraiment vraiment entendu du bruit. Je crois qu'on va faire une pause. On va arrêter là les gars. Mais attendez, venez, on va aller voir. On va aller voir parce que là je suis sérieux, j'ai vraiment entendu du bruit. Si ça se trouve il y a le méchant Dengue qui est devant ma porte d'entrée. Ça serait chaud. Déjà je vais voir par la fenêtre. On va voir par la fenêtre les gars. Peut-être qu'il est dans ma rue ou carrément même peut-être devant ma porte d'entrée. Attendez, je vais regarder. Donne-moi la caméra, je vais regarder les gars. Attendez, je vais carrément ouvrir la porte fenêtre. On va voir ça les gars. Attendez, non, y a rien. Y'a rien devant ma porte les gars, y'a rien au bout de la rue. Ça va, je crois rien à signaler pour l'instant les gars. Mais c'est pas pour autant qu'il faut baisser la garde, je pense qu'il faut quand même rester prudent là. Oh c'était quoi ça? Vous avez entendu? Attendez, non. Oh c'est bizarre, ça a tapé super violemment à la porte d'entrée. Oh, c'est quoi le délire? Attendez, on va aller voir les gars. Je descends jusqu'à l'entrée. C'est bon, mais dommage que la fenêtre de ma porte elle est floutée. J'aurais bien aimé voir à travers. Bon, je suis obligé d'ouvrir. Allez, maintenant. Y'a quelqu'un? Les gars, c'est quoi ça? Attendez, il y a une poupée sur le pas de ma porte. Mais quoi? Oh, mais c'est la poupée du baby Dengue Dengue. Les gars, regardez, c'est écrit Dengue Dengue.exe. Non. Attendez, mais... Je touche pas à ça. Mais non, je ferme la porte. Oh non, ça bloque la fermeture de la porte, non. Oh, c'est une dinguerie. Oh, ça dégage. Attendez, je vais dégager ça. Attendez, dégage. C'est mort, vite, je ferme la porte. Oh, vite, je ferme la clé, je ferme tout à clé. Quoi? Je suis carrément choqué. C'était la poupée du baby Dengue Dengue. Vous l'avez vu, elle était tout juste sur le pas de ma porte. Mais c'est quoi? Ah bah alors je crois qu'en ayant écouté la musique du Dengue Dengue à 3h du matin, ça a littéralement fait apparaître le baby Dengue Dengue. Mais c'est pas ce qu'on veut les gars. Nous on est censé plutôt faire apparaître le méchant Dengue Dengue. Attendez, j'ai peut-être une meilleure idée pour accélérer le processus. Je pense que je vais plutôt appeler le méchant Dengue Dengue là tout de suite. Les gars, je vais composer le numéro du Dengue Dengue. Bah ouais, je connais le numéro du Dengue Dengue. Et si vous voulez que je vous le donne, faut tout de suite mettre un gros pouce bleu. Et si on atteint, je pense, 10 000 likes, je vous donnerai le numéro du Dengue Dengue dans les commentaires. Mais là, allô, Dengue Dengue? Oui, c'est moi le Dengue Dengue, mais toi, t'es qui? Oh, Dengue Dengue, oh, tu régales. Eh, ben attends, c'est moi le youtubeur RobTech. Oh, c'est toi, je traque, je suis dehors, devant ta porte. Et où?
C'était toi? Alors c'était toi? C'était toi le baby Tengue Tengue sur le pas de ma porte? Oui, c'était moi. Et c'est un avertissement. Ça, c'est parce que tu écoutes ma chanson à l'heure des 3h du matin. Et tu dois arrêter maintenant. Quoi? Je dois arrêter? Et si je continue, ça fait quoi? À 3h du matin, ça devient une musique maudite. Oh, ça a raccroché les gars. Attendez. Oh là, ça devient chaud les gars. Eh, il nous a carrément lancé un avertissement. Le baby Tengue Tengue, c'est un avertissement. Mais on doit arrêter, je crois qu'on doit arrêter. Mais si je continue, qu'est-ce qui se passe? Les gars, je crois que je vais continuer à jouer de la musique du Tengue Tengue à l'heure de 3h du matin. J'ai ressenti un truc bizarre dans mon corps. Oh, attendez. Peut-être que c'est carrément en train de me posséder, je crois. Je crois qu'il faut arrêter. Là, par contre, je crois qu'il faut vraiment arrêter. Et attendez, j'ai peut-être une autre idée, les gars. Pourquoi pas peut-être aller chez McDonald's et commander le menu spécial du Tengue Tengue? C'est peut-être une autre solution de le faire apparaître là, à l'intérieur de ma maison. Ouais, je crois que je vais faire ça. Je crois que je vais faire ça parce que là, ça devient chaud. Ça devient chaud. Vite, let's go. Hey, comment ça va la famille? J'espère que vous allez bien. Moi, je pète la forme parce que, regardez, je suis de retour au McDonald's. Oh là, ça fait plaisir. Et alors là, je suis venu jusqu'au McDo parce qu'il y aura apparemment une très grosse rumeur qui dirait que il y aurait apparemment le menu spécial Happy Meal du Tengue Tengue. Oui, vous avez très bien entendu, je parle bel et bien du fameux mème qui envahit tous les réseaux sociaux en ce moment et avec la musique qui fait Tengue 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 Tengue. Bon, reprenons un peu de sérieux parce que moi je vous le dis, cette rumeur, eh ben j'y crois vraiment les gars, et on va bien voir. Je vais aller jusqu'au guichet pour commander et je vais véritablement demander s'il y a vraiment le menu du même Tengue Tengue. Et vas-y, venez avec moi, let's go. Allez, je me dirige directement jusqu'aux bornes. Ça vous laisse le temps de mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo, ça fait plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est toujours pas encore déjà fait. Et là, ça y est, oh, c'est le moment de parler, c'est le moment de commander. Vas-y, let's go les gars, je stresse. Les gars, regardez, les menus s'affichent juste là. Normalement, ce serait un menu spécial Happy Meal. Donc c'est ce qu'on va demander, on va voir. Bonsoir, bienvenue chez McDonald's. Avez-vous l'application de fidélité? Non, j'ai pas l'application fidélité. Non, désolé. Je suis venu d'abord jusque chez vous au McDonald's pour vous demander, est-ce que vous avez la collaboration spéciale du menu Happy Meal Tengue Tengue? Alors oui, vous avez de la chance. C'est actuellement le menu en émission limitée. Alors dépêchez-vous de commander, il n'en reste plus beaucoup. Oui, les gars, c'est une dinguerie, j'y croyais plus. Attendez, mais on va le commander les gars, bien sûr que je vais le commander. D'accord, écoutez-moi, je vais vous commander un menu Happy Meal spécial du Tengue Tengue. Oui. D'accord, vous n'allez pas le regretter. Et avec ceci, qu'est-ce que je vous mets dedans? Dedans, je vais vous prendre un cheeseburger, avec Coca-Cola et frites, basique. Très bien, c'est commandé, vous payerez comment? Je paierai avec la carte bancaire, Très bien, les gars. C'est commandé, oui. Vous pouvez aller à la prochaine. Ok, c'est bon, on peut aller jusqu'au prochain guichet. Je sais pas là si vous vous rendez compte de la dinguerie. Ça vaut plein de pouces bleus, là c'est obligé. Merci. Ah, merci pour le menu. Oh mon dieu, les gars, c'est véritablement le menu Happy Meal du Tengue Tengue. Bon, alors là, je vous le dis, je m'empresse de vite re-rentrer à la maison et on découvre tout ça ensemble. C'est inédit ce qui se passe là. Allez, let's go. Allez, ça y est, de retour à la maison avec le fameux menu du Tengue Tengue. Oh, les gars, j'en reviens pas vraiment là, c'est incroyable. Analysons ensemble le menu du Happy Meal de Tengue Tengue. Les gars, on peut bien le voir, mais il y a sa grosse tête en plein milieu du menu. C'est déjà trop drôle en vrai. Si on fait tout le tour, on... Oh, mais attendez, c'est Tengue Tengue possédé ou quoi? Non, sérieux, sur ce côté-là, il fait peur un peu. Si on tourne comme ça, mais qu'est-ce qu'on aperçoit, les gars? Regardez bien sur la boîte, il y a les éléments du Ouija. Là, juste ici, et là, en plein milieu. C'est moi où on va carrément invoquer les esprits du Tengue Tengue ou quoi? Non, ce menu a l'air juste trop drôle, mais il regorge de certains mystères. De toute façon, on va découvrir tout ça ensemble. Je vais l'ouvrir. C'est parti, let's go. Et qu'est-ce que vous voyez, les gars? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ok, on commence. C'est quoi, ça? Oh, un paquet de bonbons. Les gars, c'est un paquet de bonbons, mais c'est pas n'importe quel bonbon, ça, je crois, les gars. Oh, mais c'est... Non!
les gars, c'est des bonbons en forme d'œil. C'est les yeux du Tengue Tengue. Tengue, 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 Tengue. Hé, hey, attendez, mais qu'est-ce qu'il y a dans le paquet des frites, les gars? On est bien d'accord, ça c'est le paquet où il y a les frites habituellement, mais là, c'est pas des frites qu'il y a dedans, regardez. Mais c'est quoi? C'est des... Oh, mais c'est quoi? Je connais. Ça, c'est les fameuses graines de tournesol. Mais ouais, mais quoi? Ils nous ont mis des graines de tournesol dans le paquet des frites. Non, non, mais ça, c'est trop bon. Ça, c'est trop bon, les gars, vraiment. Ça, je les mets tous dans ma bouche comme ça. Oh, les graines de tournesol, c'est trop bon. Quand je commence à manger ça, je m'arrête plus, vraiment. Attendez, par contre, il me semble que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Attendez, je veux le sortir du paquet. Oh, regardez, des photos du Tengue Tengue. Oui. Et attends, il y a une deuxième photo. Oh, les gars, ça c'est quand il est possédé, ça. Ça c'est Tengue Tengue à l'heure de 3h du matin, ça. En tout cas, ça nous confirme bel et bien qu'il existe une version diabolique du Tengue Tengue. Et forcément, à l'heure de 3h du matin, il pourrait probablement apparaître. Restons vigilants, les gars. Bon, on continue à découvrir le contenu du menu Happy Meal. Et là... Attendez, mon téléphone qui sonne, non, 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 les problèmes commencent ou quoi, non, attends, qui c'est qui m'appelle, les gars? Non, les gars, regardez, il y a le Tengue Tengue qui m'appelle, qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Ok. Allô, c'est qui? Allô, Roblox, c'est moi, Rango. J'ai vu que tu as commandé mon menu Happy Meal à 3h du matin. J'ai commandé, j'ai bien commandé ton menu chez McDonald's, mais comment tu le sais? Tu m'espionnes ou quoi? Bah avec mes gros yeux, je vois et je sais tout ce qui se passe. Et d'abord, pour te punir, je vais t'envoyer le mauvais esprit du Tengue Tengue. Ça a raccroché. Quoi? Mais c'est quoi cette dinguerie? Les gars, attendez! Je crois qu'il est pas content, il est pas content! Il me menace d'invoquer son esprit maléfique sur moi! Je crois que commander le menu du Tengue Tengue à 3h du matin, c'est pas une bonne idée! Bon, bah tant qu'on y est, on continue, on va continuer à découvrir ce qu'on a dans le menu parce que c'est pas fini! C'est quoi ça? C'est quoi? Oh! Mais c'est quoi ça, les gars? Oh, mais c'est un fruit, c'est un ananas! Bah, c'est un fruit exotique! Eh bah, c'est normal, c'est pas étonnant, les gars, je pense que ça provient sûrement de la région d'origine du Tengue Tengue! Ces fruits doivent tellement être succulents! Ok, je vais les garder, je vais le manger, je vais bien sûr les manger! Mais qu'est-ce qui nous reste là-dedans, là? Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est le paquet de nuggets! Ah bah les gars, c'est le paquet des nuggets. Ah bah ça, ça fait plaisir déjà, ça. La bonne nugget, ça. Bon poulet de nuggets, ça. Ah ouais, ouais, ça c'est validé, ça, les gars. Ah, du bon poulet, c'est toujours validé. Eh ben franchement, ce menu Happy Meal est pas mal. Ah, attendez, j'avais pas remarqué. Regardez, les gars, ici, juste ici, là, je sais pas si vous le voyez, il y a comme un QR code. Ça, faut le scanner. Faut le scanner avec le téléphone. Et là, normalement, je scanne comme ça. Voilà, juste comme ça avec le téléphone, les gars. Voilà, et là, c'est bon. Ça affiche un lien. Normalement, je peux cliquer. Les gars, ça a carrément affiché une vidéo en 360. Mais attendez. Oh, je crois qu'il faut retrouver le Tengue Tengue. Attendez, les gars, je me mets debout. On va le trouver, on va le trouver. Il est où? Tengue Tengue, il est où? Ah, il est là. Il est là, les gars. Il a disparu. Il a disparu. Non, mais attends, il est où? Il est parti où? Attendez. Ah, il est là. Il est là, les gars. Je kiffe trop sa danse quand il fait comme ça, là. Tengue, 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 Tengue. Attendez, vous avez entendu? Ah, ça a sonné. Ça a sonné à l'entrée. Oh, attendez, attendez, attendez. Mais c'est bizarre, ça. Qui ça peut être à l'heure de 3h du matin comme ça? C'est pas normal. Bon, les gars, je prends la caméra avec moi. Je la garde au cas où il se passe quoi que ce soit. Tout sera filmé, tout sera enregistré. On va aller voir. On descend jusqu'à l'entrée et on va voir c'est qui. On va bien, bien voir qui ça peut être. Ok, je me dirige directement jusqu'à la porte d'entrée. C'est qui? C'est pourquoi? Ok, j'ouvre les gars, on va voir. Je tourne les clés, je tire la poignée. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Pourquoi y'a personne? Oh! Les gars, y'a un colis! Un colis McDo, un colis chez McDonald's! Et les gars, je viens de recevoir un colis sur le pas de ma porte d'entrée. Mais c'est quoi ça? Vite, 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 je ferme la porte. Je ferme la porte, c'est pas normal ça! Mais c'est. Ah,
mais c'est parce qu'on a commandé le menu Happy Meal du Tengue Tengue. Il y a un colis qui vient avec. C'est quoi cette dinguerie? Eh ben, je refuse pas un colis, moi, les gars. Surtout quand ça provient de chez McDonald's. On va le découvrir ensemble. Les gars, je l'ai pris avec moi. Attendez, mais... Mais c'est quoi cette dinguerie? Non. Venez avec moi, on retourne dans la chambre. Allez, vite, vite. Ouh, alors là, c'est la surprise. Mais je m'attendais à tout sauf à ça, moi, sérieux. Un colis de chez McDonald's. Et c'est sûr, c'est parce que ça vient avec le menu du Happy Meal Tengue Tengue. Allez, je l'ouvre, je perds pas de temps, les gars. Là, je crois que je peux l'ouvrir comme ça. Attendez, comme ça, là. C'est quoi, les gars? Qu'est-ce que vous voyez dedans, les gars? Ah, attendez, c'est une blague? Les gars, c'est quoi la dinguerie? Regardez. C'est une tête de Ouija! Oui, oui, on le reconnaît tout de suite, on sait ce que c'est une table de Ouija! Regardez, il y a ça aussi! Ça, c'est pour le poser sur la table de Ouija! Mais c'est quoi cette dinguerie? Peut-être que la table de Ouija va nous permettre de pouvoir essayer d'invoquer l'esprit du Tengue Tengue! Et si ça se trouve, son esprit, il est dans ma maison! Il n'y a qu'avec la table de Ouija que je peux le savoir! Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que ce serait pas le moment de faire un petit peu de Ouija pour voir si on peut détecter le mauvais esprit du Tengue Tengue là dans ma maison? Ben vous savez quoi? Je me suis mis à même le sol et on va essayer, oui! C'est pas un hasard! On n'a pas reçu cette table de Ouija pour rien! Allez, on va essayer, je crois que normalement, faut peut-être allumer des bougies ou je sais pas quoi. Mais bon, on va essayer comme ça, on verra bien. Ok, normalement je pose ça sur la table de Ouija comme ça, les gars. Et on récite plusieurs fois le Tengue Tengue. Ok, 3, 2, 1. Tengue Tengue, Tengue Tengue, es-tu là? Tengue Tengue, Tengue Tengue, est-ce que t'es là dans ma maison? Tengue Tengue, Tengue Tengue, mauvais esprit du Tengue Tengue, Tengue Tengue, es-tu là dans ma maison? Il se passe rien, les gars. Tengue Tengue, Tengue Tengue, est-ce que t'es là dans ma maison? Tengue Tengue, Tengue Tengue, est-ce que t'es là dans ma maison? Ah, les gars, vous entendez? Vous entendez? Il s'est rien passé avec la table de Ouija, mais par contre, on entend... C'est la musique du Tengue Tengue. Oui, oui, je la reconnais, je la connais, les gars. Les gars, Tengue Tengue, t'es là? Tengue Tengue, t'es là? Attendez, les gars, je crois qu'il y a le Tengue Tengue là dans ma maison. On l'entend, on l'entend. Oh, purée, les gars, là, vous êtes prévenus. Il ne faut surtout pas jouer avec le mauvais esprit du Tengue Tengue. C'est sûr qu'il est là, c'est sûr qu'il est là dans ma maison. Peut-être qu'il est en bas, peut-être en bas à la cuisine. C'est sûr, j'entends, ça provient de la cuisine. Je dois descendre, je suis obligé. Il y a quelqu'un? Les gars, je vais descendre là jusqu'en bas. Oh, la porte est ouverte. C'est bizarre. Je l'avais refermé tout à l'heure. Il y a quelqu'un? Je vais vite refermer la porte. Déjà, je vais vite refermer la porte. Voilà, je la ferme à clé. Là, c'est sûr qu'il est là dans ma maison. Je vais aller voir jusqu'à la cuisine. Attendez, je vais ouvrir la porte de la cuisine. Il y a quelqu'un? Non, regardez, il est là. Oh,